rubrique sans langue de bois. Ouais. Qu'on va dire le plus ou la plus. D'accord. Voilà, le plus ou la plus méchant. Méchante. Coralie. Coralie par stratégie. Par stratégie, elle pense vraiment au jeu et. À fond. Le jeu, que le jeu, donc sans hésiter. Mais elle l'a dit, soi-même. Elle a dit, moi, s'il y a besoin, je suis méchante. D'accord. Le plus ou la plus saoulant ou saoulante. Ouais, qui casse la tête. Ça, c'est difficile parce que tout le monde peut être saoulant à ces périodes. C'est vrai que maintenant, elle criait beaucoup. Ça fait un peu mal à la tête toute la journée. Mais après, voilà, encore une fois, c'est peut-être aussi pour le jeu. Donc, on ne sait pas exactement. Nico, quand il commence sur un sujet aussi et qu'il ne s'arrête plus de vouloir toujours avoir raison, ça peut être un peu lourd. Mais encore une fois, Nico est vraiment quelqu'un que j'adore. Donc, non, je ne dirais pas le plus saoulant. Et il a été chanté avec moi tous les temps. D'accord. Et mettre l'étiquette. Je pense qu'au départ, Alia, effectivement, la vaisselle, apparemment, oui, elle a même dit au c'est un peu sa bête noire. Elle ne voulait pas se salir les ongles. C'est vrai. Oui, voilà, elle est très propre sur elle-même. C'est vrai qu'après, elle est moins engagée, on va dire, dans les tâches ménagères. Et je suis d'accord avec elle, tu ne fais pas la vaisselle pour 15 personnes. Hein. D'accord, bah ouais. Ouais, beaucoup. Donc voilà. Après, non, elle n'est pas toute seule. Hein, donc, Le plus ou la plus prétentieuse ou prétentieux. Ah ben là, encore une fois, certainement par stratégie, mais c'est Coralie. Ah ouais, elle s'aime, elle se regarde dans le miroir, elle s'adore. Je pense qu'elle s'aime beaucoup, ouais. Donc vous avez été contacté par la grosse équipe pour participer aux Anges 8. Info ou intox? Intox. On vous a également contacté pour faire des films érotiques à deux sur un site internet très populaire. Oh non, ça c'est vrai, il y a longtemps. Mais est-ce que tu peux nous raconter? Ah bon? Donc on est venu vous contacter? Je me rappelle même pas avoir été contacté d'ailleurs. Ah oui, ça remonte à 3-4 ans, oui. Donc, mais on ne les ferait jamais dans la vie. Donc, Émilie et Rémi étaient déjà en couple avant de participer à Secret Story. Info ou intox? En couple. Après, c'était peut-être pas un couple très profond, mais ils se connaissaient. Il y avait peut-être un petit quelque chose. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui vient de nous complètement. C'est aussi à travers des discussions qu'on a pu avoir avec eux, qu'on a pu avoir avec Loïc. Mais même la maman. Même la maman, effectivement, il y a 2 ou 3 jours, l'a encore confirmé à la télé. Donc, effectivement, je pense qu'on n'est pas trop sur une mauvaise piste. Vous aimeriez être les stars de votre propre émission de télé-réalité? Ouais. Les stars, non. J'aime pas prendre la pastèque, comme on dit en France. Les protagonistes, c'est un très les protagonistes, oui. Les acteurs principaux, oui. Et encore une fois, pas de télé-réalité, mais... Télé-documentaire. Voilà, d'accord. Exactement. C'est de la télé-réalité en même temps parce qu'on le ferait un vrai, donc c'est notre télé-réalité. Donc c'est pas de la télé-réalité, parce que la télé-réalité c'est pas vrai. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines aventures avec les sortants de Secret Story 9 dans Pas de secret entre nous. Salut public. Super, bye bye, continuez à lire donc public.